Souvent, on me demande pourquoi s'impliquer en politique. Dans mon cas, c'est probablement une conséquence d'une relation de 30 ans avec les citoyens de Ville-de-Laval. J'ai travaillé au service de police. J'ai été pendant 30 ans de temps à avoir le sentiment de les protéger, à travailler à les protéger. On a redressé le transport en commun. Il a donné un nouveau souffle. On est fiers de prendre soin de nos aînés, de nos enfants. Et il n'y a jamais eu autant de consultations publiques à Ville-de-Laval, car le citoyen est non seulement au cœur des décisions d'orientation, mais il en est le plus grand bénéficiaire. Lorsque nous avons été élus, il faut se rappeler le contexte, la ville sortait d'une crise, était sous tutelle, et on avait un travail de reconstruction à faire. Pour faire ce travail de reconstruction-là, évidemment, on a besoin de nos employés. On a besoin du travail de toute l'équipe. On a besoin de tout le monde. Fonctionnaires, élus, organismes communautaires et tous les groupes qui décident de s'impliquer dans la collectivité lavalloise. Aujourd'hui, bien des citoyens me disent qu'ils sont fiers d'être Lavallois et nos employés aussi.